Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du Comic Sitter Showcase. Ça faisait un an que je n'en avais pas fait, il est vrai. Faute de lecture, faute d'argent, faute de temps, plein de choses qui ont fait que j'ai abandonné un peu cette émission pendant un an. Pas forcément trouvé également la motivation de la faire, puisqu'elle demande quand même de lire pas mal de livres, hein, je critique pas qu'un seul livre. Donc je me suis dit, ça fait quand même un an qu'on n'a pas eu de Comic Sitter Showcase, il serait temps un peu de revenir aux bases et de proposer ce type de vidéo, puisqu'on a proposé d'autres choses avec David, effectivement. Mais il est important de garder quand même ce rendez-vous, qui est quand même le rendez-vous principal de la chaîne à la base, qui est le Comic Sitter Showcase. Alors aujourd'hui, je vous propose une grosse émission avec plein de lectures, plein de découvertes, hein. Il y a des critiques, il y a juste des découvertes de livres avec sans forcément de critiques. Il y a du Panini, il y a du Urban Comics, donc du DC et du Marvel, un peu d'indépendant, et un peu d'autres choses également. Donc vous allez voir plein de choses. Et on va commencer tout de suite avec mes deux lectures DC Comics du moment, qui sont deux lectures sorties récemment, hein, dans les mois précédents, il y a 2 mois maximum à peu près. Nous avons donc DC Rebirth dans la version Suicide Squad, avec une édition limitée à 500 exemplaires, puisque c'est la couverture qu'on pouvait obtenir sur Original Comics. Donc elle est un peu différente de la couverture normale. Et l'autre lecture, c'est Wonder Woman Terre 1, donc Wonder Woman Earth-1, qui est une relecture des origines du personnage. Alors, deux comics, on va faire simple, on va les comparer, avec un peu, qu'est-ce que j'en ai pensé, lequel j'ai préféré. Alors déjà, celui-ci, c'est écrit par Monsieur Rob Williams, et c'est dessiné par Jim Lee. Donc Jim Lee, c'est une pointure dans le domaine, vous voyez, rien que la couverture, elle envoie du lourd. Ici, de ce côté-là, on a un récit de Grant Morrison, donc qui lui envoie du lourd en termes d'écriture, et avec au dessin Yannick Paquette, qui est quand même également quelque chose de très lourd. Donc on a deux séries avec des poids lourds au dessin, et un poids lourd plus que l'autre pour ici, pour le scénario. Alors ce que j'ai pensé justement de celui-ci, de Suicide Squad, c'est que nous avons un scénario plutôt banal, avec une équipe qui s'approche vraiment de celle du film. C'est un peu, je pense, l'objectif, c'est que Rebirth colle un peu plus sur l'univers d'ici au cinéma, de la Warner. Et donc on a une équipe sensiblement proche de celle qu'on a pu voir dans le film décrié. Ce qui n'est pas forcément un bon choix, puisque le film n'a pas été apprécié, donc je vois pas pourquoi les gens apprécieraient le comics, sachant que le film n'est pas très bon, c'est vrai, honnêtement il n'est pas très bon, mais c'est pas non plus, soyons objectifs, la pire bouse qu'on ait jamais vue. Donc voilà. Niveau graphique, alors on a évidemment Jim Lee. Donc Jim Lee, c'est de la qualité, généralement. Mais là, c'est un Jim Lee en forme, on va dire, en roue libre un peu. C'est-à-dire que Jim Lee nous propose un travail qui est un travail plutôt banal pour du Jim Lee. Un travail qui n'est pas dans ses meilleures œuvres. On n'est pas sur du Batman Hush. On est loin de la qualité qu'on a pu avoir sur d'autres récits. Du coup, ça nous donne quelque chose d'assez mitigé, je trouve, en tout cas pour ma part, puisque Suicide Squad, c'est quelque chose de plutôt joli. Voilà, c'est joli à voir, c'est pas vilain, mais c'est pas non plus extraordinaire visuellement, déjà, premièrement. Et puis en plus, c'est que le scénario, il est totalement à la ramasse. C'est-à-dire que le scénario, je me suis ennuyé de bout en bout, j'ai trouvé ça totalement futile. Si vous n'avez pas aimé le scénario du film Suicide Squad, vous n'allez pas aimer non plus ça, parce que franchement, c'est nul. Franchement, le scénario, il était naze, totalement naze. Du coup, c'est une lecture que je recommande pas, pour le coup. Suicide Squad, c'est pas une série, de toute façon, que j'adore, à la base, déjà. Et je me suis dit, version Rebirth, on va tenter le coup, il y a Harley Quinn dedans, quand même. Puis au final, non, ça fonctionne pas. Ça ne prend pas, voilà, la mayonnaise ne prend pas. Et du coup, c'est une déception que ce Suicide Squad Rebirth, que je ne vais pas suivre, je ne vais pas prendre le tome 2, et je regrette un peu d'avoir celui-là. Au moins, j'ai la couverture variante qui est jolie. Mais à part ça, ça vaut pas vraiment la peine. Passons à l'autre livre, du coup. Que vaut Wonder Woman Terre 1? Wonder Woman Terre 1, pour le coup, on a un scénario génial qui permet de découvrir les origines du personnage. Donc si vous n'êtes pas à jour, si vous avez un peu de mal avec d'où vient Wonder Woman, quelles sont ses origines, comment ça a commencé, ce livre est fait pour vous. Il est écrit d'une certaine manière, il y a quelques changements par rapport à l'histoire de base, on va dire l'histoire habituelle de Wonder Woman, c'est-à-dire dans ses origines, notamment sa paternité a un peu changé, que le colonel Steve Trevor a un peu changé. Je ne vais pas vous dévoiler toute l'intrigue, je préfère que vous le découvriez par vous-même, mais il y a plein de changements. On met en avant le côté féministe du personnage avec une certaine domination sur les hommes, hein, et ça va assez loin dans ce domaine-là. Il y a des petites références assez marrantes là, à ce niveau-là, puis de toute façon, la couverture donne un peu le ton avec les chaînes autour du personnage. Voilà, il y a tout un délire autour de ça, autour de la soumission, etc. Qui est plutôt bien mise en scène. Voilà, ça, c'est pas vulgaire, c'est franchement bien fait. Et voilà, c'est sympa. Alors j'essaye de trouver des pages qui ne vont pas vous spoiler. Voilà, celle-ci, ça passe. Vous voyez, le niveau du dessin, c'est vraiment magnifique. Yannick Paquette envoie du très lourd, que ce soit en termes de dessin tout simplement, ou en termes de découpage. Vous voyez, prenez cette double page, le découpage, il est génial, c'est du vraiment beau découpage.
Voilà, il y a un côté voilà, un peu girly du personnage, puisqu'il est assez à la base guerrier. Et franchement, c'est une très bonne lecture. J'attends avec impatience le tome 2 de ce Wonder Woman Terre 1. De toute façon, les Terres 1 sont généralement de bonnes adaptations, que ce soit Batman, Superman ou ici Wonder Woman. Généralement, on n'est pas déçu. Donc je vous conseille fortement d'acheter Wonder Woman Terre 1. Vous ne serez pas déçu. On passe maintenant à la sélection indé, avant de passer à Marvel. Pourquoi sélection indé? Parce que je la relis directement à Urban Comics, puisque c'est quelque chose que j'ai acheté en VO il y a quelques temps, qui s'appelle Seven to Eternity. C'est une série ici en TPBVO, qui est écrite par Rick Remender et dessinée par Jérôme Peña. Une équipe que vous connaissez peut-être si vous avez suivi les épisodes de Uncanny X-Force de Rick Remender, puisque c'est une équipe Remender ou Peña qu'on retrouve beaucoup, notamment chez Marvel. Et c'est une série... SF, une série SF, une sorte de X-Force justement, X-Force ou d'Avengers un peu sombre, de Dark Avengers, dans un monde post-apocalyptique dans lequel des personnages dotés de pouvoirs de différentes sortes vont essayer de renverser un tyran et ils vont devoir le transporter jusqu'à un endroit pour lui enlever ses pouvoirs définitivement. Sauf que le voyage va être un peu compliqué. Alors ce premier tome sert à poser les bases du scénario, à découvrir les différents personnages également. Et je trouve ça plutôt sympa. J'ai pas totalement accroché à l'histoire, très honnêtement. Ce n'est que le début aussi. J'accroche par contre au design. J'accroche pas forcément aux personnages dans leur personnalité, qui sont pas encore très bien utilisés, très bien présentés, je trouve. Mais ça reste quelque chose de très beau, déjà. Et qui est une série à suivre, je pense. Je pense que voilà, c'est une série à suivre, voir un peu son évolution. Alors je pense que je prendrai l'évolution sûrement en VF plutôt, puisqu'il s'avère que j'ai acheté ce tome-là à moins de 10€ en VO, en TPB, mais il sort chez Urban Comics à 10€, c'est les fameux sorties à 10€ de chez Urban Comics pendant un certain temps. Donc là, profitez-en, je pense que ce sera jusqu'à la fin de l'année, voire peut-être en 2018, où sera le titre Seven to Eternity proposé chez Urban Comics pour seulement 10€, dans une version pas TPB ici, dans une version hardcover. Donc franchement, n'hésitez pas, ça vaut le coup d'opter pour une version hardcover de Seven to Eternity si vous voulez quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et que vous aimez bien l'indé généralement. Et si vous appréciez Rick Remender, c'est du Rick Remender par contre. Typiquement en termes d'histoire, on est sur du Rick Remender, ce qu'il a pu faire sur Uncanny X-Force ou d'autres choses. C'est la même chose. Donc franchement, vous ne serez pas dépaysé. Et dans ce style-là, justement, j'ai deux éditions. Vous avez l'édition classique TPB en VO. Et vous avez cette édition-là, qui est une édition géante. Vous voyez, là, je suis obligé de me reculer quasiment contre la bibliothèque pour voir tout. Donc si on compare les deux, hop, voilà le petit et voilà le grand à côté. Par rapport à un comics, par exemple d'Urban Comics, un hardcover, bah, on est, voilà, quand même. Vous voyez la différence, c'est très très grand. Donc c'est une version géante, hein, c'est la taille quasiment originale, voire c'est la taille originale des planches, en version crayonnée. Donc voilà, regardez, c'est vraiment beau. Ça permet d'admirer le travail, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir correctement, de Jérôme Peña, qui est quand même un poids lourd. Hop, admirer un peu ces planches, les détails qu'on peut trouver dedans. Je vais vous en ouvrir des autres. Hop. Voyez, c'est quand même un très beau livre qui coûte, qui m'a coûté 25€, je crois, entre 25 et 30€ à peu près. Un très beau livre si vous voulez vous faire plaisir à avoir quelque chose de grand, de très beau et que vous avez apprécié l'œuvre originale. Moi j'ai pris les deux directs, mais sinon vous pouvez opter d'abord pour l'édition originale pour voir si ça vous plaît et après vous dirigez là-dessus. S'il en reste, moi je l'ai commandé sur Original Comics, donc vous voyez si vous pouvez encore en trouver ou s'il y en a ailleurs. Je fais ça comme ça, ça évite d'avoir un peu de reflet, parce qu'il y a du reflet ici. Bref, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà, c'était Seven to Eternity, disponible très bientôt chez Urban Comics, et sinon en TPVVO, et en version géante, en VO, version ancrée et colorée. Je vous dis pas de bêtises, c'est ancré. Ouais, c'est ancré. Allez. Voilà, c'est tout pour l'indépendant. On va passer à Panini Comics, avec tout d'abord, avant les vraies lectures, un petit cadeau que j'ai reçu, justement, en faisant ma commande il y a quelques temps sur Original Comics. Vous pouvez peut-être le trouver dans des librairies, je sais que des fois ils l'offrent. C'est les 20 ans de Panini, retour en image, un petit livre en hardcover plutôt sympathique, dans lequel vous allez pouvoir retrouver les couvertures typiques et mythiques des séries Marvel et des séries Panini carrément, parce que je me posais la question, oui, parce que je ne l'avais pas trop feuilleté avant. Est-ce que c'était les versions originales, donc anglaises? Non, c'est version Marvel Comics, X-Men 1, le magazine des mutants X-Men chez Marvel France. Donc c'est vraiment les couvertures en français. C'est les couvertures qu'on a pu avoir chez Marvel France, puis Panini.
Donc vraiment, c'est vraiment beau, surtout quand on ne le paye pas, quand c'est un livre gratuit qui est offert avec une commande. Il y a des choses plus récentes, hein, regardez, il y a du Civil War également. On arrive là, regardez ça, c'est pas beau ça. Ça, comment il s'appelle, je ne sais plus. Gabriele Delotto, voilà. Ensuite, là, on a ça aussi, vous voyez. On a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Donc c'est un petit livre sympa si vous arrivez à mettre la main dessus dans une librairie ou sur internet avec une commande. N'hésitez pas parce que c'est vraiment un très beau livre avec plein de couvertures. Si vous êtes fan de couvertures, ben voilà, ça fait un très très beau livre. Maintenant on passe au vif du sujet. Deux lectures également chez Panini. Deux lectures avec du Spider-Man, puisque Spider-Man tout simplement dans sa version Secret Wars. Donc Spider-Man Secret Wars. Et ici vous avez du Spider-Man dans la version Secret Wars, mais l'Event Secret Wars qui est plus gros. Vous voyez, hop, on est sur du Marvel Now dans les deux cas. C'est l'étrange blanche, petit pavé, gros pavé de ce côté-là. Et on va commencer par le Spider-Man. Alors le Spider-Man, c'est tout simplement une histoire alternative de Dan Slott et dessinée par Adam Kubert, dans laquelle on imagine que Spider-Man n'a jamais utilisé un sort pour pouvoir annuler son mariage avec Mary Jane et sauver sa Tante May. Résultat, Tante May n'est plus. Peter Parker est en couple avec Mary Jane et ils ont un enfant. Du coup, ça change tout. Forcément, le monde a changé et dans cette réalité alternative, dans le cadre de l'Event Secret Wars, il s'avère que Spider-Man doit concilier sa vie de super-héros et sa vie de père, puisqu'il a une petite fille, et il va devoir faire un choix à un certain moment donné qui va avoir des conséquences assez graves au niveau des Avengers, et il va se retrouver un peu à être caché, il va devoir se cacher, et sa fille aussi, puisqu'elle a des pouvoirs, ils vont devoir rester cachés pour ne pas être découverts, parce que sinon ils seront en danger. Donc c'est une histoire plutôt intéressante, je trouve que j'adore les What If, et celui-ci est vraiment génial. Les dessins d'Adam Kubert sont sublimes, Adam Kubert de toute façon c'est toujours bien, généralement. Et c'est une lecture vraiment fraîche, vraiment très agréable, une très bonne lecture sur le tisseur. Pour ceux qui connaissent bien le personnage, ça permet d'avoir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. C'est pas une histoire banale, c'est une histoire what if, une histoire alternative de ce qui se passerait si Peter Parker était père, s'il avait une fille, s'il était marié, s'il avait des proches à protéger. Et franchement, bah, c'est génial, il y a plein de choses, plein de petites références, le retour du costume noir, plein 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 de bonnes idées. Les Sinister Six sont là, il y a beaucoup de méchants, beaucoup de gentils, il y a plein de choses. Je vous montre la dernière page ici de la couverture, donc le dos de la couverture. C'est vraiment très bien, ça coûte seulement 15 € et vous avez la totalité de la série Amazing Spider-Man Renew Your Vows, donc renouvelez vos vœux, donc quand on renouvelle les vœux du mariage. Donc vraiment une très très bonne lecture à petit prix. Si vous voulez du Spider-Man récent et de qualité, optez pour ce Spider-Man dans sa version Secret Wars. Il y a le petit bandeau ici. Et la deuxième lecture, c'est tout simplement l'Event Secret Wars. Donc l'Event Secret Wars, ça reprend toute cette histoire d'envergure cosmique, on va dire, qui est écrite par Jonathan Hickman, dessinée par Essad Ribic. Comme souvent dans les derniers events Marvel, je trouve qu'il y a un côté pas fini. C'est-à-dire que j'ai été très déçu par Infinity. Il y avait plein de choses intéressantes, mais on va pas au bout. Et là, c'est pareil. À Secret Wars, il y a plein de choses où je me suis dit, waouh, c'est super, c'est génial. Et ça va jamais jusqu'au bout. Je suis toujours déçu du résultat final. Il y a toujours des choses qui manquent. C'est-à-dire qu'on nous pose des promesses qui ne sont jamais tenues. Et ça fait des années que ça dure avec les events. C'est-à-dire que Civil War a tenu ses promesses. Je trouve personnellement qu'Avengers versus X-Men a tenu ses promesses. Mais que les autres, il n'y a rien. C'est nul. Prenez Original Sin, prenez Infinity, prenez Secret Wars. À chaque fois, on nous promet plein de choses et il n'y a rien derrière. C'est vraiment gênant, je trouve. Parce que ça n'empêche pas le plaisir de lecture globalement sur l'ensemble. Parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce Secret Wars. Mais à la fin, quand on referme le livre, on se dit, ouais, tout ça pour ça. Et ça, c'est gênant. Quand on se retrouve à dire cette fameuse phrase, tout ça pour ça. C'est quelque chose qu'on reproche souvent. Alors, le début est très intéressant. Tout le multivers se retrouve. Il ne reste plus que deux mondes, l'univers Marvel classique, la Terre 616, et l'univers Ultimate. Alors, l'univers Ultimate et l'univers classique ne sont pas censés se rencontrer. Ils se sont rencontrés dans Spider-Man, par exemple, avec les deux Spider-Man. Mais ici, ils se rencontrent et ils s'affrontent, tout seulement. Alors, je me suis dit, c'est plutôt sympa tout ça. Sauf que ça dure peu de temps. Et après, c'est l'apocalypse, tout le monde est détruit, et on part dans un autre monde créé par Dr. Fatalis. Et du coup, ben on se dit, ok, on va découvrir ce monde, c'est plutôt sympa, sauf qu'on découvre pas tout. Il y a des choses qui ne nous sont pas expliquées.
Après, bah, il y a les personnages qui arrivent, les héros, les méchants, et ça part un peu dans des pouvoirs cheatés pour pouvoir résoudre les choses. Du coup, je suis un peu déçu. Il y a des relations qui sont creusées, qui sont intéressantes, par exemple Doctor Strange et Fatalis. On a les relations avec justement Mister Fantastique aussi et sa famille. Il y a plein de choses qui sont mises en place, qui sont un peu traitées, mais qui vont pas au bout, je trouve. C'est dommage. Du coup, on est sur une bonne lecture, hein. C'est une bonne lecture, je ne vais pas vous dire de ne pas la lire, franchement je pense même que vous devez le lire, mais voilà, c'est un peu dommage, on pourrait avoir quelque chose qui soit un chef-d'œuvre, et au final, au lieu d'un chef-d'œuvre, on a quelque chose de bien, voilà, simplement bien, sauf que quand je lis un event, moi je veux pas forcément que quelque chose de bien, quelque chose de bien, c'est de manière générale, quand on lit une petite histoire, quand on lit un event, un gros crossover sur lequel on fait des promos pendant des mois, on s'attend à avoir un putain de chef-d'œuvre. Et là, c'est pas le cas. Du coup, je suis un peu déçu. Alors, je suis peut-être un peu dur, c'est vrai, mais voilà, je m'attendais à mieux. Ça reste quand même plutôt bien, généralement. Il y a des bons passages dedans, il y a des personnages, des rencontres de personnages qui sont vraiment mythiques. Et ça permet de faire des petites libertés, ce fait de créer un monde, de fait de créer un nouveau monde. Je trouve que ça permet des petites libertés plutôt sympathiques. Donc voilà, Secret Wars, c'est une bonne série, c'est une bonne lecture, mais qui va pas au-delà du bien. Et vu que c'est quand même assez épais à lire, que c'est assez long, que c'est assez vaste, qu'il y a beaucoup de choses, ben c'est un peu dommage qu'on nous baratine un petit peu beaucoup, qu'on nous en mette plein la tête, puis qu'au final on fasse rien de ça. C'est ça qui est un peu dommage. J'avais la même chose avec Infinity, où on part dans des délires cosmiques, des trucs bizarres, mais au final, ben après faut revenir sur Terre. C'est-à-dire qu'on envoie des choses, on envoie des choses, faut réussir à revenir après, à retomber sur ses pieds. Et c'est souvent le cas, généralement il n'y arrive pas. Donc voilà pour cette lecture. Avant de passer au kiosque, justement pour parler des kiosques, on va parler d'une sortie qui vient de sortir. Donc là, c'est sur des choses qui sont sorties dernièrement. Et là, ça vient tout juste de sortir cette semaine, ou la semaine dernière. C'est le Marvel Saga numéro 3 chez Panini par Jason Aaron et Olivier Coipel sur Thor. Et ça s'appelle The Unworthy Thor. Vous voyez la couverture que Thor est confronté à Thanos. C'est une lecture que je vous conseille de lire. Je ne l'ai pas lu encore, mais regardez déjà. Allez, bim, Olivier Coipel est dans la place. Ça vous envoie du lourd. Ça coûte 5 euros. C'est une saga complète avec le mythique Thor, d'Essad Ribic. Donc, d'Essad Ribic. Oui, parce qu'il y avait une version d'Essad Ribic, c'est pour ça. Ça reprend un peu la suite d'Essad Ribic. Mais ici, c'est Olivier Coipel, donc c'est limite encore mieux. Et de Jason Aaron. Et bah, c'est un peu qu'est-ce qui est arrivé au vrai Thor, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que Thor est devenu un autre personnage, si vous suivez un peu les comics. Actuellement, Thor, c'est une femme, etc. Il y a plein de choses, plein de Thor. Sauf que le vrai Thor, il est où? Eh bien, c'est ça qu'il faut lire. Le Thor Unworthy. Donc, n'hésitez pas, ça coûte 5 euros. Essayez de le trouver pendant que vous pouvez, parce qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Allez, on poursuit avec les kiosques. Alors, les kiosques, je vais vous présenter un petit peu tous les kiosques. Je ne vais pas faire de critique ici, ou vite fait, puisque David vous a fait une vidéo sur les premiers numéros de Batman Rebirth chez Urban. Moi, j'ai acheté un peu plusieurs choses. J'ai acheté donc le Batman 1, j'ai acheté bah, le Batman 2, il est où? Il est là, il est sur mes genoux. Batman 2, et j'ai acheté également le Batman 3. A noter que le Batman 3 possède, si vous arrivez à le retrouver dans sa version plastifiée, le Justice League numéro 1, le Batman numéro 1, j'ai pris le Justice League, le Batman numéro 1 en version Director's Cut. Les éditions Director's Cut sont des éditions VO que j'affectionne beaucoup, qui reprennent le comics dans sa version crayonnée. J'en possède quelques-uns, j'ai Forever Evil, j'ai Justice League, il y avait, comment ça s'appelait, Trinity War, je crois, ouais. J'avais le Batman 1 dans la version New 52 aussi. C'est vraiment des éditions que j'adore trouver. Et quand j'ai vu qu'il y avait ce pack-là, j'ai sauté dessus. Je voulais m'arrêter, prendre les kiosques, et j'ai dit, allez, il y a les éditions Director's Cut crayonnées du travail de David Finch, ici. Et de l'autre côté, c'est Tony S. Daniel, je crois. Voilà, on saute pas à côté de ça. Donc voilà, les trois kiosques, c'est une bonne offre. Franchement, si vous voulez faire du Rebirth, la meilleure solution, surtout si vous avez un petit budget, c'est d'opter pour les kiosques. David vous en a parlé dans sa vidéo. Moi, j'ai lu les deux premiers, et c'est d'ailleurs ce que je lui ai dit, parce qu'il voulait découvrir un peu Rebirth, et je lui ai dit, passe par le kiosque. Et voilà, il vous a confirmé que c'était par ça qu'il fallait passer. Avec le kiosque, vous avez tellement de arcs narratifs, tellement de séries qui se complètent facilement. C'est-à-dire que là, avec ça, j'ai les tomes 1 de plein de séries, alors que ça m'a coûté 15 euros. Alors que 15 euros, c'est le prix d'une série. C'est le prix du Batman tout seul. Sachant que le Batman tout seul
de... Comment il s'appelle? Je ne sais plus les auteurs, peu importe, il y a David Finch au dessin, mais l'écriture, je ne sais plus. Le Batman Rebirth, il n'est pas très bon pour moi. Donc ce qui est bon, c'est le Detective Comics. Donc soit vous achetez le tome Detective Comics, mais là, je lis le tome Detective Comics là-dedans. Et en plus, j'ai le Batman, même s'il n'est pas très bien. Et j'ai Nightwing, et j'ai d'autres choses. Donc franchement, ne passez pas à côté. Et en plus, il y a un cadeau sur le numéro 3. Donc franchement, ils ont envoyé du lourd, Urban, en termes de kiosque. C'est vraiment une offre incroyable. En plus, les magazines sont grands maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont... Hop, on va prendre un petit panini. Regardez. Hop. Le panini est tout petit à côté. Donc là, franchement, vous pouvez pas passer à côté. Regardez l'épaisseur. Hop, regardez, c'est tout mini. C'est tout petit à côté. Ça coûte 5,60 ici. Et ici, ça coûte 5,90. Il y a 40 centimes de plus. Donc franchement, en termes de kiosque, tenez à le rappeler ou à le dire pour ceux qui ne le sauraient pas. Si vous voulez du rebirth avec un petit budget, et même si vous voulez du rebirth même avec un peu plus de budget, mais qu'il y a des séries qui ne vous plaisent pas, ou que... Parce que franchement, c'est joli comme ça. Voilà, c'est très propre, très classe, et il y a tout. Franchement, Urban, ils ont tapé très fort. Ils ont fait pareil que Justice League. Vous avez les récits complets également, puisque j'avais acheté le récit complet sur les Titans. Vous avez le Justice League Rebirth 1, le Justice League Rebirth 2, avec des belles couvertures à chaque fois, et le Justice League Rebirth 3 avec la version crayonnée. Donc franchement, ne passez pas à côté de tout ça. J'insiste un peu, je suis peut-être lourd, mais franchement, ils méritent qu'on leur fasse de la pub urbaine parce que là, ils ont tapé un grand coup dans la fourmilière. Et je termine parce que j'en ai encore avec celui-ci. Achetez-le aussi, saga complète, Batman, récit complet, Poison Ivy, à la vie, à la mort. Regardez-moi ça, tac tac tac, c'est par Clayman, c'est très beau. C'est une histoire sur les deux personnages, d'Harley Quinn et Poison Ivy. Une Dream Team. Franchement, ce sont les coéquipières par excellence dans l'univers de Batman. Voilà pour tous ces kiosques. Et on termine avec un petit sketchbook, histoire de ne pas se quitter comme ça. J'ai acheté le sketchbook de Elias Chatsoudis qui s'appelle, parce qu'il y en a plusieurs, Lines, celui-là. Donc Lines, il est en noir et blanc. Ce sont voilà, des dessins noir et blanc de l'artiste. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Hop. Et en plus, c'était en promo sur Original Comics. Je crois pas qu'il y en ait encore. Je l'ai acheté à 5 euros, je crois, sur Original Comics. Ouais, c'est ça, 5 euros. 5 euros un sketchbook. Donc, franchement, ça vaut le coup. Il y a un peu de tout, hein. Il y a du DC, il y a du Marvel, il y a d'autres choses. Il y a beaucoup de demoiselles aussi également. Voilà, ici vous avez du Danger Girl. Et ici vous avez le personnage de G.I. Joe, il me semble. Vous avez les Tortues Ninja. Donc, April de ce côté-là. Les Tortues de l'autre côté. Donc n'hésitez pas toujours à aller voir les promos qu'on a sur internet, puisqu'on peut trouver pas mal de choses. J'aurais jamais acheté ce truc-là, ce sketchbook, je l'aurais jamais acheté au prix normal, mais quand j'ai vu qu'il faisait 5 euros, j'adore les sketchbooks. Je suis allé dessus et j'ai foncé, surtout que j'ai fait d'autres commandes, donc voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé de condenser au maximum tout ça dans l'émission. J'espère que toutes les lectures que je vous ai présentées, ou en tout cas une partie, vous auront plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé des lectures, si vous avez un avis différent, une autre analyse des œuvres que j'ai faites. Nous, on se retrouve très bientôt, je l'espère, en tout cas pour un Comic Sitter Showcase. Il faudra que je rachète des livres et que je les relise. Mais vous inquiétez pas, ça arrivera. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis salut les amis. Allez, ciao!